Ce matin, on avait toute l'équipe du Standard, joueurs mais aussi personnel et le président Roland Duchâtelet qui venait voir le film Standard, le film de Benjamin Marquet et de Brio Ferro. Et pour nous, c'était important parce qu'on a déjà organisé pas mal d'événements autour du film et à Liège et à Namur. Et chaque fois dans les débats, la première intervention, c'est « il faut que les joueurs et que Roland Duchâtelet voient ce film ». Et donc ici, grâce notamment à Olivier Smets, ça a pu se faire et on est vraiment très très heureux que les joueurs aient pu voir le film. On a eu une écoute très très attentive. On avait un peu des craintes en disant bon, c'est des gens très occupés, mais vraiment une belle écoute dans la salle. Pour nous, c'était plus qu'une attente. C'était un plaisir, un rêve de voir arriver dans une salle les joueurs qui viennent voir pour une fois les supporters. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'après avoir vu le film, il y a des moments dans le film qui vont leur revenir. Parfois, quand ils rentreront sur la pelouse, ils vont se rappeler d'un tifo, ils vont se rappeler du temps que ça peut prendre pour un supporter d'organiser son accompagnement de l'équipe. Voilà, et ça, ben nous, on espère qu'effectivement, ça aura tous ces bénéfices collatéraux. Nous, comme joueurs, on voit les entraînements, l'infrastructure de l'académie, mais bon, Et surtout pendant le match, le tifo déjà construit, il a envie un peu l'émotion, un peu la partie famille du côté du Standard. C'est-à-dire que le Standard, c'est pas seulement une équipe de foot, quoi. Donc il y a beaucoup de passion là-dedans et je pense que l'équipe a ressenti ça en voyant ces images. C'était un travail fantastique, un film magnifique, c'est très émouvant. Je crois que beaucoup de spectateurs vont découvrir en fait les sentiments des supporters du Standard. Et je crois que ce qui est la force du film, c'est qu'il y a plusieurs personnages très authentiques, qui restent très authentiques aussi dans le film, et que l'on voit que c'est quand même très très spécial d'être supporter d'un club, spécialement du Standard. Et donc de là, il n'y a pas de logique là-dedans, finalement. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de logique. C'est ce qui rend un peu la chose un peu compliquée de temps en temps aussi. Beaucoup d'émotions. C'est clair que le réalisateur a montré des très belles images, très fortes. Voilà, on va dire une partie que les joueurs ne connaissent pas spécialement. Voilà, ça rend encore plus fier d'appartenir à ce club. Un club qui est soutenu par des supporters qui ont une grosse identité. Maintenant, on sent qu'on a encore une plus grosse responsabilité en portant ce maillot. Et voilà, on est encore plus honoré justement de porter ce maillot et de faire partie de ce club. C'est vrai que c'est un club qui a ses racines dans le travail. Les joueurs du Standard sont connus pour mouiller leur maillot. C'est le même esprit. Et donc, je crois que si on travaille bien, qu'on continue à bosser et qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut faire, c'est ça que les supporters attendent, parce que c'est de là que viennent leurs racines également. Et bon, je crois que c'est une toute belle tradition qu'il faut garder, qu'il faut chérir. Le problème que j'ai, moi, je suis un être essentiellement rationnel et je n'avais pas du tout appréhendé l'aspect émotionnel au départ qui était tellement fort en l'encontre, même de certains aspects rationnels. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est important et que maintenant, il faut voir comment on peut conjuguer les forces. Donc, moi, je crois que j'ai certaines qualités, hein, les supporters. Bon, ils ont des qualités phénoménales, hein, on l'a vu dans ce film. Et bien, si on peut conjuguer ces qualités, on peut être imbattable.